Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, aujourd'hui 17 juillet. Nous allons prendre toujours le même texte que nous avons utilisé hier, qui se trouvait dans Romains chapitre 4 verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est Limitez Dieu dans votre marche de foi. Laissez-moi vous donner des exemples de moments où Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Selon Apocalypse chapitre 13 verset 8, la Bible nous dit: Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La Bible fait allusion à Jésus en tant que l'agneau immolé dès la fondation du monde. Et pourtant, Jésus ne fut crucifié que des milliers d'années plus tard. Éphésiens chapitre 1 verset 4 nous enseigne: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous fûmes choisis en Christ avant la fondation du monde. Nous n'étions pas encore nés. Alors Dieu mentait-il en déclarant tout cela? Certainement pas. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Et la sainteté, c'est tout simplement obéir et plaire à Dieu en toutes choses, à tout moment. Une manière d'obéir et de plaire à Dieu, c'est marcher par la foi. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit: Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, premièrement, et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur, donc celui qui paye, de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu est content lorsque vous appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cette attitude fait honneur à Dieu, puisque vous croyez à sa parole sans preuve apparente. Cela stimule aussi en vous une attitude de foi pour recevoir des grandes choses de Dieu, mon frère, ma Amen. sœur. Recevoir des grandes choses de Dieu. Et nous avons lu que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même essayer de te sanctifier, mon frère, ma sœur, comme tu le veux. Tu peux essayer d'avoir une vie pieuse. Tu peux même aller t'enfermer dans une île déserte où il n'y a personne, où il n'y aura plus une seule occasion de chute pour ta vie. Mais s'il te manque ta foi, mon frère, ma sœur, la Bible nous dit que c'est impossible de lui être agréable. Quelle parole forte encore aujourd'hui. T'imagines ta vie, mon frère, ma sœur, sans aucun péché, mais juste parce qu'il te manque la foi. Tu n'appelles pas les choses qui ne sont pas à vivre, à être là, présentes. Eh bien, il dit que tu ne lui plais pas. Tu ne peux pas lui être agréable. C'est fort. Cette parole ici, mon frère, ma soeur, je crois qu'elle mérite d'être entendue par tout le monde. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a pensé qu'il suffisait juste d'aller s'asseoir dans une église, écouter le prédicateur, faire quelques louanges, faire quelques blablabla. Dieu dit qu'il nous veut voir avec la foi. Il veut nous voir créés comme lui est un créateur. Amen. Il veut nous voir créés. Quelle est la situation, mon frère, ma sœur, qui aujourd'hui t'exaspère? Qui aujourd'hui te fait mettre le visage contre terre et tu dis: Seigneur, j'en peux plus. Et là, Dieu te dit maintenant, à la place de dire: j'en peux plus de cette maladie, ben Dieu te dit: maintenant tu vas dire: Seigneur, cette maladie n'existe plus.
J'appelle la guérison dans ma vie. Là où il y a une sécheresse dans ta vie, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle, mon frère, ma sœur, tu appelles que maintenant la sécheresse tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. Appelle maintenant que des fleuves viennent irriguer cette sécheresse et que tu sois un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit en son temps. Alléluia. Et dont maintenant le feuillage s'appelle une guérison pour les nations, mon frère, ma sœur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, bon prophétesse, je vois que je vais déjà te passer là. Je sens, je vois déjà, il y a déjà les yeux. Si vous la verriez, elle sera en face de vous, ses yeux sont déjà en train de pétiller. Elle pétille. Elle est déjà, waouh, je sais ce que je vais dire. Là, je sens que Dieu va bénir. Oh Seigneur Jésus, je te prie, oins ta servante maintenant au nom puissant de Jésus, qu'elle relâche ta parole, qu'elle appelle les choses qui n'existent pas à l'existence dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus. Amen, amen. Quelle foi que j'ai. Hein. Amen. Il est là pour me booster, afin que je puisse vous booster. Amen. Ah, oh, Seigneur. Je suis sûre que quand il nous regarde, il rigole. Comme nous les faisons rigoler. Parfois, j'ai l'impression que mon mari et moi, nous sommes comme Aaron et Hur. Nous tenons les mains levées afin que le peuple puisse gagner. Amen. Dans tous ces combats. L'un d'un côté et l'un de l'autre. Et c'est merveilleux parce que Dieu fait son œuvre dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons faire cette bonne déclaration tous ensemble. Dieu est content lorsque je marche par la foi. Amen. Dieu est content quand j'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Puisque je crois à sa parole, sans preuve apparente, ma foi devient effective. Oui, sa parole nous dit que sans la foi, il est impossible que je lui sois agréable. C'est pourquoi je décide de faire croître ma foi jour après jour, afin de lui être agréable, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui va me récompenser parce que j'ai cherché, parce que j'ai demandé, parce que j'ai frappé. On va m'ouvrir, on va me donner la solution. Oui, mon Dieu est ce Dieu qui fait concourir toutes choses pour mon bien. Et avant même que je ne sois malade, il avait déjà pourvu la guérison pour ma vie. Et aujourd'hui, je veux la recevoir. Il envoie sa parole aujourd'hui à travers ses serviteurs et il me guérit. Il me guérit. Oui, il me fait échapper à la fosse, échapper à la souffrance, échapper à la douleur. Maintenant, ces choses qui existaient dans ma vie, et qui me dominait dans ma vie, qui prenait toutes mes pensées, toute la place dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma vie. C'est toutes ces choses vers lesquelles mes pensées étaient tournées quotidiennement n'existent plus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'appelle la guérison aujourd'hui à venir s'installer dans mon corps tout entier. J'appelle la guérison à être pleinement effective dans ma vie. J'appelle la santé, la purification de mon corps tout entier, le rétablissement de tous mes membres qui n'étaient pas pleinement fonctionnels. J'appelle la régénération de tout membre qui était défectueux au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle ces choses qui n'étaient pas à l'existence. Et maintenant, elles sont effectives dans ma vie. Oui, je vais voir le résultat de ma proclamation. Je vais voir le résultat de ma foi. Parce que la parole me dit que si j'ai la foi comme un petit grain de sénevé, je pourrai dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et la chose arrivera. Amen. Alors, je dis aujourd'hui, maladie, ôte-toi de mon chemin. Amen. Et jette-toi loin de moi.
Retourne dans les lieux déserts, dans les lieux arides, là où tu viens. Retourne à l'expéditeur. Qui t'a envoyé pour envahir mon corps? Je ne te désire plus dans mon cœur. Je ne te désire plus dans mon corps. Aujourd'hui, je reçois la guérison que Jésus-Christ a pourvue pour moi. Aujourd'hui, j'appelle la guérison à être réalité dans ma vie. Et je la verrai. Et je la verrai. Je la verrai s'accomplir. À l'instant même où je parle, mon corps se régénère. Mon sang est purifié. Mes membres sont restaurés. Tout ce qui était défectueux marche comme au premier jour où Dieu m'a créé, en pleine santé. Oui, je suis plein de santé. Je suis revigoré, plein de force. Je deviens robuste. Je suis fortifié à tout égard au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie-toi à travers cette maladie, cette souffrance, cette infirmité que j'ai eue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Glorifie-toi, parle sur ma vie et anéantis cette maladie. Je ne la veux plus. Aujourd'hui, j'appelle la guérison à être effective dans ma vie. Et les médecins le verront et ils seront confondus devant le résultat de mes examens. Oui, le monde saura que nous croyons un Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés, soyez bénis, fortifiés, restaurés. Que cette journée vous soit favorable, que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Soyez bénis.